Pour faire mes samoussas, poulet au curry, on va avoir besoin de curry, donc d'une cuillère à café de curry. On va avoir besoin de 200 g de carottes, d'un oignon émincé, d'un blanc de poulet à peu près 150-200 g. On va avoir besoin de 4 fromages fondus et on va avoir besoin de 4 feuilles de brique pour pouvoir faire les samoussas. On va commencer par couper la viande en tout petit et la faire dorer. Donc là, nous avons coupé notre viande en tout petits morceaux. Nous allons les mettre à cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile. Donc on a mis la viande à cuire avec un petit peu d'huile. On la laisse dorer avant de réserver sur le côté. Ma viande a commencé à dorer. Je vais la réserver de côté et la mixer. Je vais déglacer ma poêle avec un petit peu d'eau. Je vais laisser réduire, ça va déglacer et après je vais mettre les oignons. Quand nos oignons ont un peu fondu, on va ajouter les carottes et un petit peu d'eau. On laisse cuire à 1 minute, après on va rajouter la viande et la cuillère à café de curry. Donc on a rajouté la viande qu'on a moulue. Là, nous allons rajouter la cuillère à café de curry. Nous allons bien mélanger. On va saler et poivrer. Et ce sera bon pour notre farce. Donc on va confectionner nos samoussas. On a coupé nos fromages fondus en deux. Là, on va couper au milieu la feuille de brique. Donc on la coupe bien. Nous avons un rectangle. Là, nous allons mettre 2 cuillères de farce. Donc, remplissez pas trop quand même. Nous allons mettre par-dessus un fromage fondu. Nous rabattons un côté. Hop, on fait de même pour l'autre côté. Encore une fois. Encore une. Et voilà, nos samoussas sont faits. Donc vous faites ça pour les 4 feuilles de briques que vous avez eues. Vous coupez au milieu et vous les repliez. Je vous en remontre un. Donc vous pliez. Vous prenez une cuillère, voire deux, mais il ne faut pas trop non plus les charger. Vous prenez un peu de fromage fondu et là vous allez plier votre samoussa. Hop. Et hop. Et voilà, votre samoussa est fait. Après, il faut les passer pendant 10 minutes à 180 et ça sera cuit. Et voilà mon assiette dressée. Bon appétit!